Merci mesdames et messieurs, et deux équipes phares, une football féminine alsacien, le CDM et le CS Mars Pichal. Merci les filles, bonne chance pour le championnat. Oui, qui vont rejoindre la tribune d'Antoine. Ensuite, ce qui est positif, c'est qu'on a été capable de réagir très vite après ce but bête. Donc voilà. Après, je pense que j'espère que Régis n'a pas grand chose et que c'est pas grave. Je sais pas du tout. C'est des cotes. Bon, j'ai d'abord une pensée pour lui aussi parce que c'est quelqu'un qui s'attache au Strasbourg et à mon avis qui a envie de se maintenir. Mais je trouve l'expulsion très sévère parce que les deux jouent la balle. Je pense même que le gardien arrive en retard. Mais bon, je pense aussi que Lamino donne des ailes à certains. Et puis voilà, je sais pas, peut-être qu'à la vidéo aussi, je ne veux pas parler trop à chaud parce que je sais pas. Peut-être que vous avez revu les images, peut-être que c'est logique, je sais pas. Mais en tout cas, ça change le match. C'est un match qui est évidemment particulier par rapport aux événements. Bon, ça a plutôt bien débuté pour nous puisqu'on a eu ce but qui est offert un peu par la défense de Strasbourg. Malheureusement, on n'a pas su tenir assez longtemps et ils ont réussi à égaliser. Puis après, il y a eu le tournant du match puisque c'est à partir de l'expulsion et de la blessure de Régis Burkner que le match a tourné un petit peu avec une équipe du Strasbourg qui nous a attendus. Et puis nous, on a essayé de gérer aussi, on savait qu'un point c'était quelque chose de pas forcément négatif. Ça a fait un match étonnant un petit peu. Moi je pense surtout à Régis qui a été gravement blessé, qui a sûrement une fracture ou deux au niveau des côtes, et peut-être plus, je ne sais pas trop, on a fait les examens, parce que c'est ça le plus important. Ouais, c'est sûr qu'il y a un peu de regard dans le vestiaire, mais on n'a pas assez bien joué pour gagner. Voilà. Je pense que le niveau est logique. Et, voilà, nous, on a des qualités, on a des défauts. Et forcément, quand on est dans une situation comme celle-là, on manque un peu de maîtrise technique et puis des relations entre nous pour les mettre plus en difficulté. Merci.